الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Monsieur le président de France, monsieur le conférencier, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les invités, membres et responsables du Dayrek al-Mustashid et du Mustashid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Sénégal s'achemine vers les échéances électorales de 1993 et l'opinion publique s'interroge. Mais la vérité que tous les Sénégalais cherchent est loin d'être l'apanage de tel ou tel autre parti politique. Car notre pays, même s'il est aujourd'hui en voie de développement, considérons ce développement comme une présente construction chargée de toutes les erreurs du passé. Le sage avait donc raison de nous interpeller par ces mots. Les années passent et d'autres viennent avec leur cortège de réalité. Mieux vaut rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège. Certes, c'est un piège multiforme. Piège confrérie et maraboutique. Piège politique et démocratique. Enfin, piège économique et monétaire. Face à cette situation, l'idée d'organiser cette journée d'études est d'une importance capitale, car la loi de la prévention a toujours triomphé sur celle de la guérison. Mais pourquoi le Dayrek al-Mustashidin ou al-Mustashidati a-t-il pris l'initiative d'organiser une telle journée? Pour les uns, le Daïra est un mouvement intégriste. Pour les autres, c'est un parti politique déguisé. Ni l'un ni l'autre ne peuvent donner à ce Daïra sa véritable vocation. Le problème reste souvent une mauvaise interprétation pour tout ce qui touche la religion. Lorsque l'on prononce la religion, on a immédiatement l'image d'un système fermé, d'une pensée close, étouffante et dogmatique. Dès lors, on a tendance à poser certaines questions. Si la pensée religieuse peut être riche et enrichissante, est-elle une formidable école de liberté dans son sens le plus large? Peut-elle nous présenter des formes modernes et rationnelles de développement qui seraient à notre convenance? Autant de questions dont on pourrait trouver des éléments de réponse dans certains propos de l'islam qui est pourtant ouvert à tous les horizons. Le théologien Yves Carpeta nous le démontre d'une manière assez explicite. Je le cite. Sans doute, la formule qui définit la religion comme opium du peuple n'a été à ce point démentie par les faits. Car il y a une réalité incontournable devant laquelle la pensée laïque, institutionnalisée depuis un siècle, apparaît comme un archaïsme. Face à cette réalité, il n'y a plus rien de plus urgent, il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que d'aller vers cette pensée oubliée, enterrée, refoulée, pour mieux saisir ce que l'Occident a perdu en voulant l'évacuer. Pour Escarpeta, il ne s'agit pas d'un retour et encore moins d'une complaisance envers les religions sacrées.
mais plus strictement de nous donner les chances d'une relance de la pensée face à la crise des idéologies. Notre seule ambition, poursuit Scarpetta, notre seule ambition était d'interroger la religion là où elle nous permet d'élargir notre horizon, aussi de mieux penser à notre avenir et face à cet avenir, le terrain à déblayer est énorme. Fin de citation. Alexis Carrel nous confirme ses propos d'une autre manière. Notre avenir dépend de notre attitude à nous conduire rationnellement. Car la crise de l'humanité entière vient de l'absurdité de sa conduite. Donc, un pays n'est autre chose qu'une entreprise humaine composée de plusieurs couches sociales dont dépend sa croissance démocratique, politique, sociale et économique. Elle représenterait, par exemple, les cordes séparées d'une guitare, mais tout en composant ensemble le rythme du progrès et du développement. Pour toutes ces raisons, nous avons organisé cette rencontre afin que chacun nous apporte sa contribution pour un Sénégal meilleur et un avenir plus radieux. Pour terminer, permettez-moi de remercier au nom du Daïra de Moustachiri Wal Moustachiat et à votre nom aussi, Messieurs Ibeder Khan et M. Mustapha Niass qui ont bien voulu accepter d'introduire ces thèmes qui nous interpellent tous. Le choix justifié qui s'est porté sur les personnes, sur celles des modérateurs, des présidents des séances et des participants, augure de la qualité et du retentissement de nos assises. D'autant plus que ce choix s'est fait en dehors de toute considération partisane, afin qu'on ait un véritable débat d'idées avec la participation active et généreuse de tous. Nous remercions aussi tous les invités ici présents. Cette journée d'étude, nous l'espérons bien, marquera de son empreinte à l'avenir de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre attention. SBN Morshid, yini abonné gul, abonné len gaw ba salé plus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. SBN Morshid, votre satisfaction est notre fierté.